Oh mes amis, il y a des personnes qui disent la chose suivante. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu fasse tout pour moi ? Vous avez besoin d'un secrétaire ? Vous voulez un ouvrier ? Vous avez besoin d'un esclave ? Non, je veux le Seigneur. Il dit ce qu'il fait pour vous. Voyez maintenant la recette ici. Psaume 37, verset numéro 5. Remets ton sort au Seigneur. La première chose, c'est de se soumettre. Hein. Cessez de diriger votre vie. Cessez de faire de mauvaises choses et après, pleurer pour que Dieu ait miséricorde de vous. Et... Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Mets ta confiance en lui. Il faut faire confiance. Et c'est lui qui agira. Il n'aura pas de limite. Il va faire alors ce qui est nécessaire pour vous. Hein. Il va vous donner la bénédiction et vous allez relever la tête et dire alors « Merci Jésus, ça vaut vraiment la peine ». Et il va faire alors que vous soyez cette personne-là victorieuse hein, dans tous les domaines. Alors, et à présent, je veux prier pour vous. Mais avant de prier, regardons ce témoignage et nous revenons juste après. Je sentais de l'arthrose ici. J'ai fait des examens pour le médecin orthopédiste. Il a dit « Francino, et la résonance ?» Il a regardé et il a dit ainsi « Monsieur, désolé, vous n'avez plus de résonance dans votre genou ». Parce que... Vous n'avez plus de cartilage. Il n'y a plus de cartilage. Il n'y a plus rien. Mais comment est-ce que vous marchiez avant la prière alors ? Je marchais ainsi, vous voyez. Aïe, mon Dieu. Ah, mais maintenant, comment est-ce que vous marchez alors ? Mais à présent, regardez. Ah, oh, gloire à Dieu ! Nous allons prier ensemble à présent. Bien-aimé Dieu, merci beaucoup. C'est très important alors, Dieu, de souligner que le Seigneur n'a jamais failli avec nous. Marquez-le, ô Dieu, que le Seigneur toujours répond à la prière de son peuple. Et c'est très important, ô Dieu, de remettre notre chemin à toi, avoir confiance en toi, parce que tout, alors le Seigneur fera. Et donc Dieu voit ce que ces personnes font en ce moment. Accompagne-les jusqu'où leur foi peut aller, et le Seigneur ira et donnera la victoire. Au nom de Jésus, soyez tous bénis et amen.